une fois, dans un petit shtetl, une petite bourgade juive de l'Est de l'Europe, en l'an 5701, c'est-à-dire 1941 d'après le nouveau calendrier. C'était l'été. L'été 1941. Le mois de juillet, je pense. Je fuyais croyant qu'on pouvait fuir ce qu'on a déjà vu. Trop vu. Je courais pour les avertir. Les miens. Mon shtetl. Mon village. Voici l'histoire de ce village tel que nous l'avons tous vécu. Regarde, il m'a dit, regarde. Toi, t'es déjà fou. Comme on avait les yeux salis. Les yeux qui ont trop vu. Les oiseaux qui marchaient et qui chantaient. Soudain se sont tus. Et ont volé à tout jamais. Refusant de nous tenir compagnie, à nous les hommes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Shlomo? Dis-leur les nazis. Les nazis. Mais c'est ce que je fais, non? Les nazis, je leur dis. Les nazis. Un jour, nous voyagerons dans l'espace, au-delà du ciel. Maintenant, je le sais. Car l'espace n'est plus dans nos cœurs. Nous irons chercher ailleurs. Bon, tais-toi, assieds-toi. C'est moi qui leur dis. Je traduis. Les nazis sont arrivés. Pas dans le shtetl. Pas encore. Dans le shtetl au-delà de la montagne. Bref. Shlomo nous apporte une nouvelle terrible. L'armée nazie fait exécuter ou déporter vers des destinations inconnues toutes les familles juives. Toutes. Hommes, femmes, enfants, vieillards, des villages entiers. La rumeur se confirme. Personne n'est jamais revenu, n'a jamais envoyé une seule lettre. Que faut-il faire? Je vous le demande. Bientôt, notre village subira le même sort. On ne peut pas faire disparaître des villages entiers sans que personne ne s'en aperçoive. On ne va quand même pas croire un fou, non? Admettons. Il est fou, c'est faux, on ne fait rien. Soit. Mais s'il dit vrai, pourrez-vous fermer l'œil de la nuit? Demain, que direz-vous à vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants? Nous le savions et nous n'y avons pas cru. Il faut trouver une solution, maintenant, cette nuit même! Comment sauver notre communauté? Soit on pense. Il faut réveiller un seul de mes enfants. Je vais tous dehors. Rami, comment veux-tu qu'on pense sans parler? Essaie. J'ai trouvé, j'ai une idée. Hey, parle, tu vas la valer. On achète des armes et on se défend. En tuant? Non, en leur faisant peur. Qui parle de tuer? Pourquoi tu interprètes tout de suite? Elle est chaloïm, c'est ton idée. Elle est mauvaise parce que je n'ai pas voulu que ma petite fille épouse ton mongolien de petit-fils. C'est péché de dire ça. Tu peux te la garder, ta petite Esther, la plus belle. Elle est tellement belle que tu vas l'encadrer. Ça, c'est péché. Arrêtez. Ça suffit. S'il vous plaît. Foutrain de déportation. Quoi? Qui a parlé? L'éternel. Mais le fou, qui veux-tu? Le fou a parlé. Répète, Shlomo. Un foutrain de déportation. Un quoi? Un foutrain de déportation, Rabbi. Mais tu es dur d'oreille. Organiser nous-mêmes un foutrain de déportation?
déporterai les chèvres, les vaches, les oies en Terre Sainte, en Eretz Israël. Et les enfants. Et nous? Pourquoi que les enfants? Oui, nous. Les enfants. On serait les déportés et les Allemands. Shtetl, Ukraine, Russie, Palestine. Maison. Libre comme les oiseaux. Oh, Weizmir, mais il est vraiment méchant, celui-là. On leur mâche le travail. On se déporte nous-mêmes. Il n'y a pas pire comme bêtise. Qu'ils nous déportent, d'accord, mais qu'ils se fatiguent un peu. Génial. Génial, quelle idée. Celle-là, c'en est une. Schlombre, tu finiras riche. Comment tu t'appelles? Schlombre Rothschild. Retenez ce nom. Ma femme ne supporte pas le train. Comment tu le sais? Elle ne l'a jamais pris. Elle ne l'a jamais pris parce qu'elle ne le supporte pas. Toi aussi, tu as deux d'oreilles? Se déguiser en allemand, en nazi, quelle honte! C'est péché! Dieu ne nous le pardonnera jamais! Psst. Encore un mot, je vous mets tous à la porte. Un train? Vous vous rendez compte? Un train? Et quoi encore? Pourquoi pas un bateau tant qu'on y est? On emmènerait tout le pays? Parfaitement. Il a raison. Un train. Un train! Comment se procurer un train? On va l'acheter chez le marchand, wagon par wagon, et on va le mettre sur le rail. Et avec quel argent? Celui de la communauté et des dons. Tout le monde donnera. Combien? Et les uniformes. C'est qui les meilleurs tailleurs du monde? Les juifs, on les confectionnera. Les armes? Les faux papiers? Les armes? Pourquoi les armes? Les faux papiers? Oui, les faux papiers. Il y a qu'à le mettre sur le papier, le faux, le fou. Il faudra parler l'allemand sans aucun accent yiddish. Et préparer le départ. Et vider un village entier sans que personne s'en aperçoive. Oui, bien sûr, on le fera. Et on s'envolera. Et le ciel rejoindra la terre. Et les oiseaux reviendront. Dieu, pourquoi avoir choisi les hommes pour diriger le monde? Et un fou pour leur montrer la voie. Yehuda, tu as entendu la nouvelle? Même un sourd l'entendrait. Même les muets en parlent. On part en Palestine, en train. Mais tu n'es pas inquiet? Non. Pourquoi? Personne ne parle du prix du billet. Ça doit coûter une fortune. En bateau! Mais non, en train! Ah, merci de me l'avoir dit. J'ai acheté des bouées aux enfants. Je vais les vendre. Écoutez, un fou! Mais ils sont tous devenus méchougués! Mais qui c'est qui va garder nos maisons? Je dois marier mon fils dans un mois! Craig, Craig! J'ai déjà fait mes listes. Lily, je sais ce que j'aime. Moi, j'emmène ma liste. J'ai rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux rien laisser aux Allemands. Qu'ils s'assoient sur mon banc et qu'ils regardent la belle Esther sortir de sa maison. Jamais! Mais Esther ne sera plus là. Le banc non plus. Je me charger d'acheter le train. Ça se trouve pas comme un bagel. Et je le cache où? Sous mon bureau. On prend nos meubles ou on revient? J'en sais rien. On revient? Demande au Raby. On revient? On revient? On revient? Reviens! J'ai une livraison très importante! Silence! Pour la fin du mois! Silence! Une date! On s'entend plus! Posez vos questions une à une! Et pas seulement à moi, mais à Shlomo aussi! Je ne peux pas répondre à tout le monde! Mais c'est le fou, Rabbi! L'idiot des villages! Et se déporter nous-mêmes, ça te paraît très sensé! Shlomo, je dois faire 5 uniformes d'officiers nazis et 30 uniformes de soldats. Itzik doit faire les bottes, hercher les casquettes et se procurer les casques. Mais pour quelle taille et quelle pointure jette-t-elle des mantins? Qui va les porter? Qui seront les Allemands? Les nazis? Pardon, j'ai oublié d'acheter la farine et... Oi, personne ne sort! Qui va être nazi? Je veux dire allemand. Itzik? Non, Rabbi, que Dieu me garde. Être nazi, c'est péché. Tout le malheur, le tsur, elle s'abattrait sur ma maison, sur ma famille. Non, merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Yankele. Pourquoi moi? Je suis déjà comptable et puis j'ai un ulcère. Un vrai Allemand n'a pas d'ulcère. Personne. Embauchons des vrais nazis, Rabbi, si personne ne veut le faire. Tais-toi, Yankele, il nous déporterait pour de vrai. Alors toi, Mordechai. Pardon, Rabbi, moi je ne peux pas. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'un tel personnage doit endosser? Affronter les Allemands en allemand? Ah non, ça c'est pas pour moi. Je propose que le Conseil des Sages s'exprime là-dessus et nomme les Allemands. Bien, parfait, bravo. Ne bougez pas, venez. J'ai bien fait de refuser quand même. Oui, oui, oui. Pourquoi il t'a pas demandé à toi? Moi? Moi, un nazi? Non, 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 non,
prononcer le message des signes pour le bien de la communauté. Ceux d'entre nous qui parlent l'allemand avec le moins d'accent, qui ont déjà une certaine culture germanique et qui ont prouvé dans le passé une maîtrise de soi supérieure à celle des autres. Sa décision est définitive et je vous préviens, irrévocable. Ces personnes auront pour tâche d'emmener la communauté à bon port, en Terre Sainte, en Palestine, en Eretz Israël, comme le fit Moïse en nous sortant d'Égypte. Elles seront responsables devant Dieu dans l'accomplissement de cette tâche. Le conseil nomme pour toutes ses qualités le marchand de bois. Mordechai Schwartz, commandant du train, chef du convoi, lui confiant la plus haute responsabilité. Les autres Allemands sont Moen Limoch, Ezra Finkelstein, Ezra Rabi. Pour les gâteaux, j'ai dit non. Ce n'est pas un aliment indispensable. C'est pour les enfants. C'est non. Il n'y a ni assez de farine ni de place dans les wagons. En plus, ce sont nos mêmes tâches, c'est pour Pourim. C'est pour l'année prochaine. Si on n'arrive pas avant Pourim. Tu me garantis qu'ils ne les mangeront pas avant? Comment veux-tu qu'un enfant sache quand c'est Pourim et quand ça ne l'est pas? Il voit les gâteaux, il les mange, il se dit, c'est Pourim. Oh, Igolda, discuter avec toi. Et ça, c'est quoi? Quelques cornichons à la russe. Ça fait 1500 kartoffeln couscous, les choux, les carottes, 4200 knödel, les lakes, les klopons, les langues de bœuf. C'est vous qui faites le pain, Leclerc. On n'a rien oublié? Non. Ah, n'oubliez pas de rappeler à Harry qu'il a promis de la gomme. Comme tu es belle, ma fille. Heureux celui qui t'épousera. Il sera riche et beau. Tu verras. J'en suis certaine. Esther, épouse-moi. S'il te plaît, épouse-moi avant qu'on parte. Je t'en supplie. Yossi, non. Tu es vieux, tu es moche, tu es mou, tu habites chez ta maman et tu es le sous-fif du rabbi. Je t'épouserai jamais, je te l'ai déjà dit. J'épouserai un homme, un vrai. Tu comprends? Je serai à lui. Corsé. Bien en ligne, s'il vous plaît. Restez en ligne. Voilà. Dépêche-toi, Mendel. J'arrive. Au suivant. Un jeu d'échecs en bois de Madame Grossman. Tiens, tiens ça. Tiens, un jeu d'échecs en bois. Note bien. Oui, Rébi. Un jeu d'échecs donné par Madame Grossman. Bien. Shlomo, une pomme. Note-la. Merci. Au suivant. Tu peux y aller, Shlomo. Merci. Merci, Shlomo. Au suivant.
Shlomo, une pomme. Je vous remercie. Alors, voyons, c'est ça, y'a le compte, merci bien. Merci, merci bien. Bon dimanche à vous. Mendel, dépêchons-nous, il faut rentrer avant ce soir, allez. Oui, oui. Merci bien. Merci, je vous assure, c'est de l'argent massif, allez, dépêchons-nous. On est ici, on est plus. Bon, y'a déjà ça. Cher Israël Schmert, cher cousin. Voici Israël Schmert, le cousin de ma femme, l'écrivain yiddish de réputation mondiale. Israël se joint à nous. Désormais, il fait partie de notre aventure. Il est arrivé ce matin de Suisse, où il habitait, depuis qu'il a quitté l'Autriche, son pays d'origine, envahi par ces barbares de Hitler. Il va nous donner un sérieux coup de main. Il enseignera à nos amis un allemand fluide, sans la moindre trace d'accent yiddish, une merveille d'allemand, arrête, ainsi que la culture, va. La civilisation et la psychologie du peuple de Goethe, de sa bourgeoisie et celle du soldat du Troisième Reich. Freundschaftliche Beziehung. Freundschaftliche Beziehung. Je n'y arrive pas. Pourquoi c'est si difficile? Pourtant, ça ressemble beaucoup au yiddish. Je comprends tout. L'allemand est une langue rigide, Mordechai. Précise et triste. Le yiddish est une parodie de l'allemand. Elle a l'humour en plus. Alors la seule chose que je vous demande pour parler parfaitement allemand et perdre complètement l'accent yiddish, c'est d'enlever l'humour. C'est tout. Et les Allemands savent qu'on parodie leur langue. C'est peut-être ça la cause de la guerre, non? Non, non et non. Mais Yankel, je suis d'accord avec toi. Si je pouvais acheter le train d'un seul coup, ça serait moins cher, mais on éveillerait des suspicions. L'acheter pièce par pièce, wagon par wagon, on revient plus cher, mais c'est plus sûr. Vous allez me tuer, Mendel, tu comprends? Je peux plus continuer comme ça. On veut ma peau, c'est ça? Yankel, ce n'est pas contre toi, personne ne veut ta peau. Arrête de te mettre dans des états pareils. Je n'y peux rien. Il ne lâchera pas son wagon à moins de 10 000. 10 000 pour un wagon? J'ai pas. Mais il est fou, quoi. Je peux pas, c'est pas mon argent. Les cuir, Yankele. Livré en cachette 2 jours avant le départ. On n'aura pas moins cher. Qu'il enlève le cuir, j'en ai pas besoin. Il va pas nous emmerder, Mordechai, à vouloir du cuir maintenant. 5 000, c'est mon dernier prix. Yankele, ce n'est pas Mordechai qui nous emmerde. Tous les wagons des officiers allemands sont en cuir. Si les vrais Allemands montent dans le train... Ils m'emmerdent, tes Allemands. Ils le font exprès ou quoi? Je les déteste avant même d'en avoir vu un seul. Le premier que je croise, je te jure, hein. Ta reconnaissance pour tout ce que je t'ai appris. Yankele, ton ulcère, ça va? Ton médicament? Ton médicament? Ne me demande plus jamais des sommes pareilles. C'est ça le meilleur médicament. Il est beau. Pas cher. Führer, pas mein Führer. 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 Oui, très bien. Mein Führer. Führer. Yo, salut mon fils. Tu as bien caché l'argent? Bien. Alors écoute-moi. Abraham, ton cousin, est communiste. Il voit le Messie partout. Ne reste pas trop avec lui, ça peut être contagieux. Il est méchougué. Il pourrait te rendre fou, toi aussi. Je ne sais plus qui, hommes et femmes du monde entier, unissez-vous. Non, mais tu te rends compte. Unissez-vous. Il ne pense qu'à ça. Toi, tu lui donnes l'argent. Il te fait les papiers d'identité allemand et d'Auschwitz dans son imprimerie clandestine. Tu les caches. Vous me l'avez déjà dit, je ne suis pas idiot. Vaut mieux 2 fois plutôt qu'une. Oui, mais ben... Ensuite, tu les caches. À l'intérieur de ma chemise, je dors et je mange cachère à la communauté en les prévenant dès mon arrivée. Je prends aussitôt le train du lendemain. Yoshka m'attend à la gare. Mais tu vois que tu le sais, alors pourquoi tu me fais répéter 20 fois? Pour être sûr de ne rien oublier, Ravi. Très bien, mon fils. Tiens, des gâteaux pour la route. Merci, maman. Au revoir. Il revient dans 4 jours. Tiens, tu veux les gâteaux de ma mère?
c'est toi? Oui, maman, c'est moi. Mais ton cousin Abby n'est pas venu avec toi? Tu ne lui as pas dit qu'on partait en Palestine? Si, maman, mais il n'a pas voulu venir. Pourquoi? Maman, écoute-moi. Bientôt, tous les hommes seront égaux. Abby m'a dit qu'il ne fallait pas fuir. Fuir serait, selon lui, faire du surplace, vu que le monde entier ne sera plus qu'un seul pays libre. Je te l'avais dit, maman, on ne sait rien. On vit ici, isolés, coupés de tout. Tu veux encore partir, me laisser seule? Mais non, maman, c'est pas ça. Écoute ce que je te dis. Reconnais que c'est quand même incroyable qu'on soit pas au courant. Tout va changer. C'est l'avenir. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Prolétaire du monde entier. Unissez-vous. Ah. Unissez-vous. Oh, c'est pas beau, ça. Le Messie est arrivé, je vous le dis. Tu l'as vu? Bien sûr, je l'ai vu. Comme je vous vois, il est... Comment? Il dirige la révolution, jour et nuit. Il change les mentalités. Il crée l'homme nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait de l'ancien? Jusqu'à quel âge on peut être nouveau? Mais oui, nous ne sommes pas des prolétaires, Youssi, nous sommes des juifs. Ah non, écoute, c'est très simple. Le Messie, on l'appelle le Messie, mais on sait pas qui c'est. C'est un nom de code pour qu'il soit pas reconnu, découvert et arrêté. Pareil, prolétaire. C'est le nom de code des révolutionnaires pour qu'on ne nous reconnaisse pas. On agit dans l'ombre, affrontant le danger. On est incognito, des clandestins, des révolutionnaires, des utopistes, des aventuriers. Un bon, maintenant ça suffit, aussi. Je t'enfilerai du danger, moi. C'est pour ça que tu as rasé ta barbe? Tu as changé de vêtements? C'est pour qu'on ne te reconnaisse pas, hein? Vaut rien. Je plains ta pauvre mère. Prolétaire. Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez du ventre, hein? Oust! Rentrez! Bravo! Bravo! Pourquoi? Un wagon bleu? Plus de peinture. Bravo! Oh. Vous allez la casser! Ah, Abby! Que ça soit bien clair, je suis le commandant du train, je ne conduis pas la locomotive. Il nous faut un mécanicien de locomotive juif, une carte des chemins de fer et un tuyau pour acheter une locomotive d'occasion pas chère. Et d'où je les sors, moi? Attends, attends, laisse-moi parler. Tu vas à la ville, tu trouves Anton Lévy, c'est un parent éloigné de Rachel Radovitch. La vieille folle? Oui. Et vous croyez que quelqu'un voudra se reconnaître comme son parent? Peu importe, tu diras que tu ne la connais pas. Alors pourquoi me recommander de sa part? Et qui t'a dit de te recommander de sa part? Toi, Rabbi! Moi? Je lui ai dit de se recommander de sa part? Tu vois, tu ne te recommandes pas de sa part! Tu te recommandes de la part de personne! Tu trouves, c'est Anton Lévy, il est cocher! Et quel rapport entre un cocher et un train? Il est dans les transports, c'est la même chose! Il doit certainement connaître quelqu'un au ministère des chemins de fer! Voilà l'argent pour la route! Et ne me reviens pas communiste comme l'autre. Rabbi, Rabbi, Itzik est de retour. Rabbi, Itzik est de retour. Rabbi, très bien, le conseil des sages. Et c'est tout le monde des chais. D'accord. Bien qu'elle est. Vite, vous entrez. Itzik est arrivé. Le mécanicien du train. Shalom Alechem. Bienvenue chez nous. Alechem Shalom. Alors comme ça vous conduisez des locomotives? C'est que Strulgeis, ici présent, n'a jamais conduit de locomotive de sa vie. Mais attention, c'est un haut fonctionnaire du ministère des chemins de fer, responsable des archives, et qui a porté avec lui un manuel. Comment conduire une locomotive? J'ai toujours rêvé d'être mécanicien. On l'a enfermé dans un bureau, alors qu'il ne rêvait que de grands espaces. Essaye. Ils avaient peur qu'il soit un juif errant, qu'il parte et qu'il ne ramène plus la locomotive. Alors que c'est un honnête homme, et le plus doué des mécanos. Un vrai yiddish mécano locomotive, elle est. Vive notre mécano, Strulgeis! Et la locomotive? C'est comme si c'était fait, il peut en avoir une pas chère, par les archives. Salam, Rabbi. Itzik, Mordechai, Strul, Mendel, Shlomo, le docteur,
Salam. Pourquoi le docteur? Quelqu'un est malade? Ah non, hein? À pas la locomotive! J'ai pas! Aïe! Ça va? On s'est fait avoir. Mais non, elle est comme neuve. C'est à cause de la nuit. Merci, à la gare. J'espère que vous êtes fort en géographie, hein? Vous situez un peu la Palestine, ce n'est pas la porte à côté. Elle fera le tour du monde, Rabbi, je vous le dis. In a guetter shoe. Attendez de la voir demain matin. Il y a du brouillard. On verra mieux quand il fera beau. Allez, du rouge! Il faut que ça frotte, il faut que ça brille! Dépêchez-vous! Il est trop grand, ton boulon! Allez, dépêchez-vous! Allez, vite, 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 mais dépêche-toi! Pas comme un malade, tu vas la casser! J'appelle le charbon. Facile. Alors, manomètre indiquant la pression à vapeur. Ça doit être ça. Levier de démarrage. C'est le train le plus long du monde. Il va plus vite que l'éclair. Et vole au-dessus des nuages. Il est tout en or. C'est un train magique. C'est dommage que vous ne puissiez pas venir avec nous. Adieu le commerce. Oh, j'ai eu ça en vent. Monsieur le rabbin, alors vous m'assurez que tout ça est faux et que ce ne sont que des histoires d'enfants. Pardon, je peux porter votre parole dans ma communauté. Tout à fait, monsieur le maire, il n'y a pas à s'inquiéter, on ne part nulle part. Je vais régler cette affaire de fourrerie, mais tout de suite, soyez-en rassurés. Bon. Ah, 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 ah. Il faut partir tout de suite. Nos voisins commencent à se douter de certaines choses. Les Allemands approchent. Il y a danger de mort. Ça veut dire quoi tout de suite, Raby? Cette nuit, ta locomotive est prête. Elle, oui. Alors, on s'en va. Il faut réveiller les enfants, avertir tout le monde. C'est une folie. Raby, moi, je suis prêt. Bon, allons-y. Mordechai, prends le commandement. Soura! Soura! Réveille les enfants! Allons! Non, c'est pas ça. Je suis pas prêt, Yann. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Amen. Yeverechu Adonai veYishmerechu. Yuver Adonai p'novedechu v'chinneku. Yisro Adonai p'novedechu veYosem lechu shalom. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce train afin qu'il nous conduise vivants et en bonne santé en Palestine, en Terre Sainte, en Israël. Amen. Amen. Und jetzt teile ich Brüder und Schwester, wenn wir ohne sind, kein erstes Sohn. Enfant d'Abraham et de Moïse, montez! Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vas-y, mon chéri, vas-y, vas-y! C'est pas, j'ai de là avant vous! J'ai ta boule. Les Allemands dans les wagons verts. Les autres dans les wagons rouges. J'ai dit, pas de matelas, pas de meubles. Dépêchez, montez. Le train va partir. Allons. Hé, hey, toi, laisse-toi avoir ici. Il a pas entendu ce que j'ai dit. Attention, il est minuit 20. À minuit 23, on s'en va. Si tu vas rester tranquille maintenant, ça suffit pour moi. Oui, mes anges. On est parti. Yankele! Yankele! La banque t'accorde le crédit! La banque t'accorde le crédit! C'est vrai. Ils l'ont fait. Ils sont partis.
niveau de la pression en vapeur soit à 11, et le levier poussé vers l'avant. Dans ce cas, les roues doivent tourner vers l'avant, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Arrêtez! Écoutez, écoutez-moi bien. On ne tiendra pas comme ça jusqu'au bout. Nos cœurs vont lâcher avant. Arrêtez de voir des Allemands partout. Un Allemand par-ci, un Allemand par-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez! Nous sommes prêts! Il est en avance, il arrive! Allô? Il est à 30 km! Merde! Il est en avance! Il n'est pas juste que certains naissent pauvres et d'autres riches. Marx le dit aussi. Moi, je suis d'accord avec les camarades Yossi et Marx. Il serait plus juste que les pauvres naissent riches et les riches pauvres. Tais-toi, Mouteul. Dis-moi, Yossi. Moi, j'aimerais bien être communiste, à condition de garder mes papillotes, mon talit et mon caftan. C'est possible? C'est comme ça que tu veux devenir un homme nouveau? Avec tes vieilles papillotes, ton talit, ton caftan? Oui. L'homme nouveau est nouveau. Tu comprends? L'homme ancien est périmé. Écoutez-moi. Merci, Boyton. Merci. C'est gentil. Écoute, tu ne veux pas être l'idéologue du soviet du train? Yossi, je n'ai pas lu Marx. Moi non. Mais c'est pas grave. Toi, tu l'écriras. D'accord. Ce que je te dis, un train fantôme qui va entrer en collision dans un quart d'heure avec le rapide de 15 heures. 5, 4, 3. Robbie! Porte rage! Robbie! Robbie! Sale nazi! Bon voyage! Il s'est arrêté! Ravi! Mordra! Où ils sont? Où ils sont? Je peux leur parler? Ce sont des hommes! Des menches comme nous! Ils ont un dieu! Mais qui ça? Les Allemands! Quels Allemands? Il n'y a pas d'Allemands! Comment ça, il n'y a pas d'Allemands? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, je ne peux pas les inventer! Alors pourquoi t'as arrêté le train? Parce qu'un pire, c'est terrible! Pire que les Allemands? Je ne peux pas le savoir! Parle! Tu avais des talents! On est passé par une gare, on l'avait pas prévu! C'est normal, c'est un train! Tu veux qu'on passe par un pont? On s'est fait repérer, Rabbi! Notre train n'est pas sur le programme! Dans aucun créneau horaire! Quel programme? Quel créneau horaire? De quoi tu parles? Donne-moi ça! Hartung Juden! Nouvelle loi concernant la population de confession israélite. Mein Gott, c'était donc vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Le voilà là-bas! Il vient du sens contraire! Je veux sauter! Non, pas Saran! Mais non, c'est pas le même! C'est un train de voyageurs! Le chef de gare a dû prévenir la prochaine gare, Rabbi. Un bataillon entier doit nous attendre là-bas. T'as pas coupé ta loco? Elle fait un drôle de bruit. Je ne fais pas de bruit. Je la bichonne. Comment tu parles de ma loco? Rabbi, on roule sur une voie unique. Attends! Miracle! Il est passé par en dessous! Merci, mon Dieu, creuser un tunnel en si peu de temps, merci. Oh, je vais suivre. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut prévenir la communauté qu'il n'y a pas d'Allemands. La moitié doit déjà être morte de peur, collée comme des bouffes sur les parois des wagons. Va, Chaumont, va les prévenir. Moi, je compte votre conseil. Un bataillon nous attend à la prochaine gare. Oi, oi, oi. Je ne discute pas les ordres du parti, mais tu n'es pas le parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, sortez tous, je dois estimer les dégâts. C'est pas pour vous dédommager, hein? Papa, je peux te parler? Tout va bien?
lui. Je suis amoureuse. Mazel Tov, Mazel Tov, ma fille. Il ne faut pas avoir peur, c'est merveilleux. Qui est l'heureux élu? C'est le fils d'un homme riche, papa. Mazel Tov, Mazel Tov. Jumel Schwartz, le fils de Mordechai, le marchand de bois, Samy. Quoi? Le fils d'un nazi? Oh, Ennem, tu ne penses pas que je vais accepter dans ma maison le fils d'un nazi? Quel nazi? Quelle maison? On vit dans un train. Son grand-père était rabbin. Il est aussi juif que toi et moi, regarde. Samy Schwartz, il est nôtre. Un ami, un vrai communiste. Alors, ne me regardez pas comme ça, je sais ce que vous pensez. C'est le fils de Mordechai, d'un bourgeois, d'un nazi. Eh ben, vous vous trompez. Ce jeune a une morale saine, prolétarienne et marxiste. Tu vois, papa? Non seulement il est nazi, mais communiste de surcroît. Faut pas être communiste et nazi à la fois. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ma réponse est non, je t'interdis de le voir. La discussion est close, ma fille, j'en ai assez entendu. Et si on les contournait? Aucune victime, Rémi. 5 blessés légers, 28 disputes, dont 15 se continuent encore. Laisse-les qui se disputent, c'est signe de santé. Merci. Non, impossible d'éviter toutes les gares jusqu'en Russie. Impossible. Rien n'est impossible. Un bon soldat peut tout rendre possible. Je suis le chef, c'est moi qui décide. Non, c'est le peuple qui décide. Et le peuple a décidé que les déportés vont dormir dorénavant dans les wagons des nazis. Dans les beaux draps! Et que les nazis, les bourgeois, les impérialistes vont dormir sur la paille, dans les wagons des déportés. Nous aussi, on a le droit de jouir du privilège et du confort d'être allemand. Et l'agitation! Et l'agitation! Amen! 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 De quoi tu parles? C'est quoi ton problème? Maman! Mon problème, c'est que les Allemands nous auraient mieux traités. Ils nous l'auraient même proposé. Voilà, c'est ça mon problème. Nous demandons justice. Yo, dans les beaux draps. Dans les beaux draps. Yo. Il ne manquait plus que ça. La communauté se déchire. On n'aurait jamais dû partir. Silence. Toi, come here. Tu veux dormir dans mon wagon? Dans mon lit? Alors, répète après moi. Jawohl, mein Major. Jawohl, meine Majorelle. Voilà, vous avez entendu? Est-ce que c'est clair? Avec un tel accent, lui, il aurait déjà une balle dans la tête. Et toute la communauté serait en danger. Ce n'est pas allemand qui veut. C'est allemand celui qui le mérite. Celui qui a fait des efforts pour le devenir. Fasciste! Ne nous disputons pas. Je vous promets de bons draps en Palestine. Montez tous dans les wagons. Ce ne sont que des promesses, Rami. Attention! La lutte finale ne fait que commencer. Le glas d'une ère nouvelle va bientôt sonner. Eh bien, attendons qu'il sonne. Pourquoi gaspiller son énergie avant? Écoutez-moi. Pour ce qui est des gares, j'ai une idée. Grossmann. Vous connaissez tous Eddie Grossmann, notre champion d'échecs. C'est un fin stratège. Il pourrait nous aider à anticiper le mouvement des Allemands. Grossmann, voici la carte. Qu'en pensez-vous? Je ne vois qu'une seule solution. Faire des détours. Aller là où les Allemands ne nous attendent pas. Et on perd du temps. Oui, oui, mais personne ne se doutera que c'est nous, le train fantôme, hein, qui va piano, va sano et va lontano, hein? Et voilà! Il y a un stratège pour ça. Rabbi, il est au courant qu'on va vers l'Est, en Russie, pas en Angleterre. Moi, ça m'est égal, j'ai de la famille partout. Où sont les Juifs? Je ne sais pas. Ils m'avaient promis de ne pas partir, mais ça ne nous arrange pas non plus. Avec qui nous allons faire du commerce maintenant, hein? Avec nous, vous allez voir du vrai commerce. Vous allez être juif à leur place? Vous aimez plaisanter? Non, non, non. Nein. Pourquoi appelle pour qui? Allô? Allô? Pour qui? Répondez! Répondez, bon sang! Allô? Pour qui? Pourquoi? Je t'écoute! C'est raté! Pourquoi? Oui, c'est moi! Non, pourquoi c'est raté? Ils ont pris une autre voie! Mais non pas à prendre une autre voie, vous faites sauter ce putain de train! D'accord, pour qui? Comment ça, pour qui? Pour la cause! Hein? Ah ouais, 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 ouais. Thank you.
ça. Hitler! Ausweis bitte, Herr Major. Oui, mon Dieu, je n'ai jamais songé qu'on y arriverait tous. Mais fais en sorte que les enfants et les jeunes puissent franchir la ligne de front et qu'ils aillent vivre en paix en Palestine. Et les femmes et les hommes aussi. Les enfants ont besoin de parents. Et puisque tu as déjà sauvé tout ce monde, pourquoi laisser tomber les vieux? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Là, s'il ne t'entend pas, tu me le passes. Sie sind nicht im Fahrplan. Gespensterzug. Natürlich. Nein. Zug für Deportierte. Es gibt auch andere. Mit Juden. Die Mehrheit der deportierten Züge sind mit Juden, Herr Major. Und sie erscheinen im Fahrplan. Ah ja? Natürlich. Jedoch nicht dieser Hauptsturmführer. Das ist ein hochgeheimer Auftrag, der nicht im Fahrplan steht. Wir transportieren außerordentliche Juden. Ein Jude ist ein Jude. Was haben diese da so Außerordentliches? Es sind kommunistische Juden. Sehr gefährlich. Zweimal so gefährlich, dass sie zur gleichen Zeit Juden und Kommunisten sind. In einem einzigen Zug transportiert. Sehr vorteilhaft für das Reich, da man nicht die Juden in einem Zug und die Kommunisten in einem anderen transportieren muss. Da diese ja beide sind, Juden und Kommunisten, sie können nicht getrennt werden. So sparen wir einen Zug. Sie verstehen, was ich meine? Stellen Sie sich vor, wie viele Leute, Juden und Kommunisten, sich wünschen, dass wir nicht zum Ziel kommen. Also, ohne Fahrplan. Gespensterzug. Sehr, sehr geheim. Ich verstehe. Brauchen Sie eine Eskorte, Herr Major? Nein, danke schön. Gut, noch eine letzte Sache. Vielleicht können Sie helfen. Alle Juden aus dem Nachbardorf sind verschwunden. Haben Sie sie nicht zufällig gesehen? Das Nachbardorf. Verschwunden, sagen Sie? Ja. Alle? Ach. Machen Sie sich keine Sorgen. Wahrscheinlich sind sie auf Besuch in der Nähe. Sie halten sehr zu ihren Familien, wissen Sie? Sie wandern nie alleine, sie werden zurückkommen. Meinen Sie? Jawohl, sicher. Ich weiß irgendetwas über sie. Sie kehren zurück zum Ort, wo sie hinausgezogen sind. Sie kehren zurück. Es ist zweifellos die Sehnsucht nach dem Stammort. Sie sind intelligent, Herr Major. Sie haben die Psychologie des Feindes studiert. Dem können Sie sicher sein. Tag und Nacht. Bitte! Herr Hitler! Hitler! Salopard! Salopard! Mordechai, au prochain arrêt, je rentre dans mon wagon. D'accord? Sauvé! Je vous l'avais dit, ces Allemands ne sont pas fortiches! Voilà! La preuve, nous avançons. Et puis bientôt, nous serons en Palestine. Vous ne sentez pas déjà le vent du désert? Écoutez plutôt l'histoire. Il était une fois un paradis terrestre.
Un grand désert qui donnait l'impression d'être hostile et sec, mais qui dissimulait sous son étendue de sable un merveilleux trésor. Des jardins fleuris, des potagers, des palais, des ruisseaux, des animaux et des oiseaux. Et un peuple vigoureux et joyeux, débordant d'énergie. Décidé d'organiser les wagons soviétiques suite à des élections au suffrage universel secret dont personne ne doit être au courant. Nous avons nommé un secrétaire de soviet par wagon, Sammy Schwartz. Le parti te nomme secrétaire du soviet du wagon numéro 1. Bravo, camarade. Tu dois changer de wagon. Yossi, tu laisses Sammy tranquille. Tu m'entends? Je t'épouserai jamais, 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 jamais. Tu ne rêves pas. C'est pas un cauchemar. Mais ça va pas qu'il parle de mariage. Calme-toi, calme-toi. Garde-toi, Sammy. Je vais l'expulser du parti. Je ne veux plus t'épouser, j'ai épousé le parti. Non, je suis plus libre, moi. T'es folle ou quoi? C'est encore loin, mamie d'or. Oui, mon trésor. Mais la terre n'est sainte que dans un seul endroit. Non, tu as raison, la terre pourrait être sainte partout. Il faudrait juste qu'on le veuille. Alors ça ne serait plus jamais loin. Descendre. Ils vont les exécuter. Allez, allez, les filles, vite. Tiens. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Amen. Amen. Ils les laissent faire leur dernière prière. Mais tu l'as tué d'ailleurs. Mordechai, ôte ce chapeau et ordonne à tes hommes, je veux dire, d'ôter ces couvre-chefs nazis. Et fais-le aussi, je t'en prie. Ça suffit que nous ayons à supporter vos uniformes. Il n'en est pas question, nos têtes sont couvertes. Il n'est nulle part écrit qu'il soit interdit de se couvrir de chapeaux nazis. Mordechai, mais dis quelque chose, toi. Amen. Amen. Et qu'il n'y a que moi qui décide de ce que doit faire et ne pas faire mes hommes. Et pour les déporter, c'est pareil, ils sont sous ma responsabilité, j'ai un Ausweis. J'autorise donc les déportés à porter l'équipa. Quant à mes hommes, ils gardent leur casque. Si un raid aérien survole le train, ou si les Allemands surviennent à l'improviste, constateront que nos uniformes sont en règle, la communauté sera sauvée, vivante. C'est ce qui compte! Mordechai, tu es un chef pour de faux! Ton chemin, c'est faux! Ta faute à une déportation! Hein, vous croyez?
En face, nous avons chaque jour de vrais Allemands. Alors il faut un vrai chef. Amen. 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 Hé, les Allemands font la prière avec eux, ils répètent la même chose que le rabbin. Tu en es sûr? Bon, à moins que je sache plus reconnaître un Allemand. Ils se balancent d'arrière en avant et vice-versa, un livre à la main. Attends un instant. Putain de gay. Allô? Ouais. Oui, on me confirme, c'est Shabbat, il faut la prière du vendredi soir. Ce sont peut-être des Allemands de confession israélite. Bon, d'accord, et nous, qu'est-ce qu'on fait alors, hein? Vous rentrez, ça se complique trop. Je sais pas si les Allemands de confession israélite doivent être considérés comme des nazis ou comme des juifs. Mais ils ont des uniformes, ça change un problème. Ils vont tuer et déporter des innocents. Mais casse pas les couilles. N'oubliez pas, on écrit l'histoire et j'ai du mal à l'interpréter. Ah bon, alors vous rentrez, à point, c'est tout. C'est toujours les chefs qui ont raison, qui s'en sortent bien. De toute façon, si ça tourne mal, l'histoire, elle parlera de 5 pauvres types. 5 lâches qui ont déguerpi. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il y a encore? Je l'ai dit, ils ont arraché les casseroles. Quoi? Yossi Waltrop? Que faites-vous? Nous mangeons, Rabbi. Et les prières? Et la réunion? Quelle réunion? La réunion du parti, vous n'êtes pas convoqué, Rabbi. Ne vous inquiétez pas, continuez vos prières. Nous mangeons, sinon nous allons être en retard. Yossi Waltrop, je t'ai élevé comme mon propre fils. Chavez, c'est sacré. Mais la réunion n'est pas sacrée! Tu m'as élevé dans l'obscurantisme, Rabbi. Nous ne sommes plus religieux, nous sommes des matérialistes marxistes-léninistes. Pour nous, le Messie est arrivé. Dieu n'existe pas. Schmatt, idiot, chien matérialiste. Renégat, viens prier et laisse les autres prier aussi. Tu donnes un mauvais exemple aux enfants. Hein? Ça communiste, bravo, un nazi. Je n'existe pas. Où est fort que les enfants attendent la vérité? Vous ne frappez pas, je suis qu'un fou! Tu existes, tu n'existes pas! Quelle importance a été? Vous vous êtes jamais demandé si l'homme existait? Shlomo, ne te mêle pas de ça! Laissez-le parler! Allez, passe, Shlomo. Dieu créa l'homme à son image. C'est beau. Shlomo à l'image de Dieu. Mais qui a écrit cette phrase dans la Torah? L'homme? Pas Dieu? L'homme? Il l'a écrite sans modestie, se comparant à Dieu. Dieu a peut-être créé l'homme. Mais l'homme... L'homme... Le fils de Dieu... a créé Dieu... juste pour s'inventer lui-même. Tu veux répéter? L'homme a écrit la Bible de peur qu'on l'oublie, s'en fichant de Dieu. J'en ai assez d'ennuis comme ça. Rabbi, on n'aime pas et on prie pas Dieu. Ou plutôt si, on le supplie de nous aider à nous traîner ici-bas. Mais on s'en fout de Dieu tous autant qu'on est. On se soucie que de nous-mêmes. Alors la seule question, c'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, mais si nous, nous existons. Bravo. Ça, c'est une belle prière. Merci, Shlomo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tu as compris quelque chose, toi? Bien sûr, Dieu n'est pas certain que l'homme existe. L'homme n'existe pas. J'ai l'air d'un chimpanzé, moi. Un de moins. Shlomo, pourquoi c'est toi le fou? Par hasard. Je voulais être rabbin, mais la place était prise. Comme il manquait un fou, je me suis dit, soit le fou, sinon c'est eux qui vont devenir. Soit fou à leur place. Et tu ne te sens pas un peu seul? Oh non, c'est pas les fous qui manquent. Non, je veux dire, une femme. Pourquoi tu n'as jamais eu de femme, Shlomo? Des enfants? Un foyer? Oh non, non, je suis pas fou. Ça t'ennuie pas si je te prends ta reine? Je les aurais trop aimés. Je serais mort d'amour. Ou devenu fou. Mordechai, Mordechai, il n'y a plus de provisions. Non. Ah. C'est vrai. Que faire? Des courses? Vous êtes fou? S'arrêter dans un village, faire des courses, un panier à la main. Aïe, monsieur, shalom, madame, un kilo de carottes, s'il vous plaît. Il faudra bien. Bientôt, les enfants n'auront plus rien à manger. Oui, mais avec quel argent, Ribi? Non, 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 non. Moi, j'ai plus rien.
S'il donne le peu qui reste, adieu Schwartz et fils en Palestine. Déjà, il n'y a plus de fils. Mon ami est communiste. Quant à moi, Schwartz, j'ai toutes les chances de devenir fou. Bien. Si on meurt tous avant, à quoi ça servirait Schwartz et fils en Palestine? Il n'y aurait plus d'acheteurs. Ni de vendeurs, d'ailleurs. Tournez-vous. Aime-moi, Samy. Maintenant, tu peux. Tu n'as plus d'exemple à donner, ni aucune responsabilité. Je comprends pas. M'exclure du parti sans aucune raison, c'est injuste. C'est pas vrai. Vouloir aimer un nazi communiste quand on a juste envie de... Je suis folle. J'en peux plus. Je vais mourir vierge. Et puis je dois cacher notre relation. Je peux pas t'épouser, je peux même pas dire à mes camarades que je sors avec la plus belle fille du monde à cause de la folie de ton père, d'un vieux religieux qui nous a interdit de... T'appelles pas mon père vieux religieux. Ton père non plus n'aurait pas dû être nazi. Et ça? Ça vaut pas tous les Marx, Engels et Lénine du monde? Les Allemands ? Non ! Ils se sont évadés ! Ils sont partis ! Qui ça ? Les déportés ! Sauvages. Ils ont même voulu faire sauter ma locomotive. On s'en va. Tant pis pour eux. Ils vont se faire arrêter, parler, donner la pollution du train. Il y a plein de secondes à perdre, sinon on va tous y passer. Chagne, merde ! Non ! Non ! Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, des juifs comme nous. On ne peut pas les laisser ici. C'est péché. Des sales communistes ! Mais des nôtres, mon déchaï ! S'ils se font arrêter et torturer. Mais même en partant maintenant, on n'ira pas loin. Il faut arriver ensemble en Palestine. C'est écrit. J'ai une idée. Git mein dir Schnauer, git! Camarades, on se sépare. Bonne chance. On se retrouve à Moscou sur la place rouge. Gloire au parti communiste. Pour les terres du monde entier, unissez-vous. Mais tu viens de dire qu'on s'est séparés? Bleibstein! Doucement, espèce de sauvage! C'est mon seul manteau! Regarde, regarde, tu l'as déchiré! Vous êtes pire que les Allemands! Aucun respect! Fasciste! Yossi, attends, je dois te parler! Pourquoi t'as fait ça? Yossi, Yossi, parle-moi! Yossi! Tout le monde y est? On s'en va! La prochaine fois, j'ordonnerai à mes hommes de tirer. Ils me rendent fou. Prévenez les rabbis, il y a un règlement, il faut le respecter, comme la Torah. Tirer sur vos frères? Attendez, on peut pas partir. Il en manque un, Lilienfeld, le tailleur. Oh, yo, yo, yo! Voilà, je suis là, je me rends, je m'étais égaré.
Je suis juif comme vous. On s'en va. Ils vont le torturer. Il va donner la position du train et on va tous mourir. Non, on ne s'en va pas. Il faut le sauver. Le sauver? Ils sont plus nombreux, mieux armés, mieux entraînés que nous. Ils ont un officier plus haut gradé que moi et ils n'ont pas l'état d'âme, Rabbi. Vous n'imaginez pas ce que c'est, un vrai nazi. Il n'y a que moi qui le sait. Que moi. Petite idée. Zurückzubekommen. Entschuldigen Sie, Helfer Marschall, aber es ist mein Jude. Nein, es ist mein Jude. Er ist aus meinem Zirkenfloor. Nein, es ist meine Idee, nicht mein Gefängnis. Wir haben ihn verhaftet, er muss verhört werden. Warum wünschen Sie so sehr, einen Juden zu haben? Diese Sache kann doppelseitig gedeutet werden. Haben Sie eine besondere, heimliche Bewunderung für diesen Juden und für Juden im Allgemeinen? Sind Sie Teil seiner Familie? Und sind Sie also selbst Jude? Was? Was? Nein, nein, ist das ein Scherz? Ich bin nicht Jude und habe auch keine Achtung für Jude, im Gegenteil. Ich bezweifle, dass ich dich, Herr Befehlshaber. Ich kann in Ihre Seele hineinblicken. Einen Juden zu haben und ihn behalten zu wollen, ist wenigstens verdächtig. Ich frage mich sogar, ob es nicht Ihre Absicht ist, nach unserer Wegfahrt ihn freizulassen oder noch schlimmer, ihn zu beschützen. Vielleicht lieben Sie ihn und Sie möchten eine Beziehung zu ihm haben? Was? Eine freundschaftliche Beziehung oder sogar mehr? Bitte nehmen Sie Ihren Juden, ich gebe ihn Ihnen. Ich will ihn nicht mehr haben, ich brauche ihn nicht mehr. Bringen Sie den Gefangenen, den Juden! Schnell! Vous êtes un grand talmudiste. Vous pratiquez l'art du commentaire et de l'interprétation à merveille. Dankeschön. Heila. Nechaim. Oh! Hey, was ist mit dir? Du sollst zu deiner Vernunft kommen und nicht mehr aufbrechen, du Schweinehund! Los zu seinem Wagen! Gut! Jetzt sammeln Sie alle Ihre Leute und alle Dorfbewohner vor dem Oberkommando. N'exagère pas, Mordechai, on s'en va. Nein, er muss bestraft werden. Punition! Jawohl, Herr Maréchal. Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Alle sollen die Vorräte, die Sie haben, herbringen. Ich muss mein Lager erneuern. Sie sollen Ihre Offen anmachen, wir werden kommen müssen. Jawohl, Herr Feldmarschall. Sehr gut. Oi, 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 Mordechai, pardon. Schön, nicht wahr? Ist es Kusche? Wie soll es sein? Kusche! Ich meine, wurde es gelegen oder nicht? Lügner! Dieses Fleisch sieht überhaupt nicht gelegen aus. Wollen Sie mich und meine Leute vergiften? Wir können es sofort legen, wenn Sie es wünschen. Zu spät! Man hätte es von Anfang an legen müssen. Ruft meinen Haram! Aha! Gesundheit. Gesundheit. Meinen Fleischer und meine Köche und meine Schmortippe. Ich habe keine Vertrauen mehr. Bringen Sie alle Tiere, die Sie haben, her! Lebendig! Jawohl, Herr Feldmarschall! Ah, danke, merci. Astra Ami, j'adore ça. Ok. Carfassi, exquisite. Good. Elle,
Je vous le jure, nos anciens sont des anges. Faut le faire, Kinder. Humains, des vrais juifs. Je l'ai enfin compris. Les autres sont de vraies bêtes, des monstres. Vous ne pouvez pas imaginer. Ne l'écoutez pas. Ils l'ont libéré à condition qu'il nous espionne. Il travaille pour Mordechai et les siens. Défendre les nazis est un acte anti-révolutionnaire. Je propose son exclusion du parti à l'unanimité. Qui est pour ? Qui est contre ? Exclu à l'unanimité. Traître. En tant qu'espion à la solde des puissances impérialistes et fascistes, le tribunal du Soviet suprême du wagon numéro 2 te condamne à assignation à résidence. Tu demeureras tout le long du voyage dans ton wagon, sans le droit d'y descendre, ni de communiquer avec les autres. Tous les places étaient cachées, juifs. Je veux dire, il n'y a que les juifs qui en mangent. D'après ma femme qui a travaillé jadis chez les Rudenboim, Herr Oberst, Oberst... Boucher! Le train fantôme, est-ce maintenant qu'il me l'a dit? Traître! Tu pourriras en prison! Allô? Arrête. Tu l'as sauvé, c'est fait. Tout le monde est fier de toi. Bientôt, nous serons en Russie. Libre. Fier de moi? Il ne m'aime pas quoi que je fasse. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Personne ne lèverait le petit doigt pour me défendre. En cas de pépin. Personne. Tu comprends? Pas même Samy. Mon propre fils. Quand je suis en première ligne, face aux Allemands, je sens toute la communauté dans mon dos. Toute une communauté retenant son souffle. Ont-ils peur pour moi? Non. Tous tremblent, souhaitant que je réussisse. Que le train reparte, bien sûr. Mais ils imaginent aussi le pire. Et tu sais ce qui les ravit dans cette idée du pire? C'est que ce soit moi qui morfle, le premier. C'est pas vrai, tu le sais très bien. Je n'ai fait qu'obéir à la volonté du rabbi et du conseil des sages. Et de Dieu. Si je suis devenu un vrai nazi, c'est pas pour moi, c'est pour l'amour des miens. C'est pour les amener sains et saufs en Palestine. Alors pourquoi me le reproche-t-on maintenant? Voudrais les tiens pour les défendre. Je les traiterais comme des bêtes, les séparant les uns des autres, les enfants des parents, les frères des sœurs, les maris des femmes, juste parce que le rabbi et le conseil des sages te l'auraient demandé. Tu ferais ça? C'est toi qui es fou, qu'est-ce que tu racontes? Je ne brûle personne, je ne fais du mal à personne, tu délires. C'est ce trait qui est fou, et qui nous rend tous fous. Là, c'est surtout celui qui a eu cette idée. C'est moi. Tout va bien. Pour l'espèce d'imbécile apprend à conduire. Heil Hitler! Heil! Alle steigen aus! Ich habe für den Zug zurückgerieren. Was? Meinen Zug? Da sind die Befehle ausgerichtet vom Führer. Oh mon Dieu. C'était trop beau, c'est ça? Tu nous fais jouer si près du but. Je me demande parfois si tu n'es pas un peu sadique. Tu regardes nos malheurs, tu les vois. Ou bien tu fermes les yeux, tu te bouches les oreilles pour ne pas être choqué. Ich habe auch Befehle auszuführen. Ich muss diese Juden ins Lager bringen. Ah ja? In welches Lager? Nämlich nach Russland? Sie sind in Grenzlinie, sehr nahe. Sprechen Sie ein bisschen, sagen Sie mir etwas, bitte. Sind Sie aus dem Norden oder aus dem Süden Deutschlands? Warum? Ich bin aus dem Süden Deutschlands. Ich komme aus dem Süden Deutschlands. Und erkenne nicht diesen Akzent. Ach so. Und welches Wort nämlich?
Mordechai Shalom. Wer bist du? Mordechai, t'entends pas son accent? Son accent ou mon accent? Mordechai? Du heißt Mordechai? Shlomo! Shlomo! Où ça tu? Shlomo, mon frère! Putain de salaud, tu es vivant! Où ça tu, mon frère gitan? Ça va? C'est Shlomo, le schnorrer, ce sont tous des juifs! Ils sont tziganes! Tous nazis et déportés comme nous! Ich bin nach Schwäbisch entscheidet! Ich will finden zu kommen! Ich hätte ihn haben können! Ich hätte ihn! Ich bin satt, dass ich andere in meine Sachen hereinmischen! Nicht, ich wollte ein Nazi sein! Wir haben keine Idee, gut, ich sie verstehe! Vous allez où? En Inde, en camion, et vous? En Palestine? Oui. Il n'y a pas d'Allemands! Ce sont des gitans, des frères! Arrêtez! Manquez le show! Venez, ce sont tous des juifs, il n'y a même pas un seul Allemand, ni même sa sœur! Allez! Dieu est grand. Le train est petit, mais il y a de la place pour tout le monde. Les déportés avec les déportés, les Allemands avec les Allemands, embarqués. Hey! Allemands! Eh bien, les cochons, je les laisse monter aussi? Laissez monter, Dieu comprendra. Et je les crie? Comme si t'as fait, Peter. Ich werde an dem Tufa klappen. Dankeschön. Ich hätte mir Rechenschaft geben sollen, dass Sie Jude sind. Ein Deutscher hätte mir den Zugang in Diskussion gegeben. Heil Hitler! Hitler? Der Ballymailach ist geworden sehr freilach, ist geworden sehr freilach, Ballymailach. Papa, tu avais raison. J'ai quitté Samy. Oh, Mazeltov, ma fille, viens que je t'embrasse. Oh, Dieu merci, tu as écouté ton père. Ne sois pas triste, un de perdu, 10 de retrouvé. Tu es jeune, tu es belle. Bah justement, papa, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre que j'aime. Déjà? Mazeltov, que le Seigneur soit loué. Qui c'est? Iran Pestaï, le tzigane. Oh, et ma fille, je préfère le nazi. Tu as changé, mon fils. Tu étais beau. Tu aimais les gens. Tu rêvais. Tu avais un Dieu. Où tu vas? C'est ça, le communisme? Je serai allée avec toi jusqu'au bout du monde. Et aussi, aussi. Mon Dieu, cela. Sois communiste. Mais redeviens homme. Un mec. Complètement malade sur là. Eddie, eux ils rôtissent du porc, mais le feu il est quand même caché. Bon, ça va, j'ai compris. Encore, s'il te plaît. Ah non, demain. Non, maintenant. Non, non, demain. Et s'il n'y avait plus de demain? Alors, ce soir. Mais à un moment, il n'y aura plus de ce soir non plus. Eh bien, quand il n'y en aura plus, on entamera le demain. Tu vois qu'il y aura un demain. Oui, mais pas ce soir. Merci, beau gosse.
pas gentil d'écouter aux portes, au gosse. Je n'écoutais pas aux portes. Tu voulais les allumer? Moi? Non, jamais. Tu aimerais bien que je t'allume, moi? Non, c'est-à-dire... Oui. C'est que le parti interdit l'amour sauvage sans une idéologie saine, prolétarienne. Prépare-toi, beau gosse. Cette nuit, je vais vous aimer, toi et ton parti. Comme on vous a jamais aimé. Une vraie révolution. Il faudra avoir de la suite dans les idées. Tu vois ce que je veux dire? Touche pas à ma mâche, elle est encore cachée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il représente plus d'un tiers des gens de ce train. Sa place est ici. Wir haben Nordzeit einzukehren. Alle deutschen Truppen sind hier, an der Frontlinie versammelt. Wir werden nie vorbeifahren können. Alle lesen weg umsonst? Wir werden vorbeifahren. Qui est pour? Qu'est-ce qu'il raconte?
Hier Buch. Vous êtes quelque chose? Alors file. Dis-moi, Shlomo. T'as jamais eu envie d'une femme? D'aimer et de vivre avec une femme? J'ai aimé une femme. Il y a longtemps. Tu l'aimes encore? Mourir, Shlomo. Qui est cette femme? C'est toi. Arrête. Ça devrait être là. Arrête le train. Vous l'avez trouvé? Non, pas encore. Mais taisez-vous, on cherche. Rabbi. Est-ce que tu crois que les Allemands nous haïssent à tel point qu'ils seraient capables de nous cacher la ligne du front, rien que pour nous emmerder? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Je ne sais pas. Oh, mon Dieu! Les Allemands! Cette fois-ci, c'est la fin! Mais non! C'est bon! Nous sommes sur la ligne du front! Ça tire autant d'un côté que de l'autre! Et dans cette distance, on est juste au milieu! On est libre! Nous sommes libres! En territoire soviétique, la plupart y restèrent et épousèrent la cause communiste. D'autres se rendirent en Palestine, surtout des tziganes. D'autres en Inde, en grande partie des juifs. Strul continua le voyage jusqu'en Chine, où il devint chef de garde d'un petit village. Esther. La belle Esther s'établit en Amérique, où elle eut plein d'enfants les uns plus beaux que les autres. Voilà. C'est ça la vraie histoire de mon shtetl. Enfin, presque la vraie.
Steitel, 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 ne m'oublie pas, Steitel. Je suis parti un jour en train pour aller très loin. Steitel, 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 n'efface pas les yeux des gens. C'est ce qui me tient encore en vie, leur sublime folie. Leur sublime folie. Train de vie.